Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui, une première petite vidéo pour vous expliquer un petit peu, vous parler un petit peu des chakras. Alors, qui sont à la fois très connus et très mal connus, puisque toutes sortes de choses circulent sur le net. Et là, je vais vous en parler du point de vue donc de l'étymologie sanscrite et du point de vue des écoles nata. Ces chakras ne sont pas déjà sept, ne correspondent pas aux notes de musique, ni aux couleurs de l'arc-en-ciel. Déjà, il faut savoir que suivant les textes traditionnels, qui ont été rédigés entre le 11e et le 15e siècle, leur nombre varie. Alors, ce n'est pas parce que les maîtres qui en parlent ne sont pas d'accord entre eux, c'est parce que certains accordent de l'importance plutôt à tel et tel et tel centre, et puis d'autres intègrent d'autres chakras, parce que la philosophie de ces écoles est un petit peu différente. Donc, si je prends par exemple le premier chakra, Mooladhara, Moola la racine, Adhara le fondement, donc c'est le chakra qu'on appelle le chakra racine, qui est le premier chakra qui se trouve donc le long de cet axe. La Sushumna, vous savez que j'ai l'habitude de comparer la structure énergétique un petit peu à un réseau routier avec ses échangeurs d'autoroutes, etc., etc. Donc ce premier chakra, on le décrit traditionnellement comme ayant quatre pétales, un carré jaune, un triangle rouge, il est relié à la terre, il est relié à l'odorat, il est relié à la marche et aux pieds. Et puis juste au-dessus, on va trouver un deuxième chakra, très proche du premier, Svadhistha, donc Sva soi-même, Adhistha établi, qui est établi en soi-même. Et celui-là aussi est très très proche du premier, donc à eux deux, en fait, ils forment une sorte de chakra commun. Le deuxième, on le décrit traditionnellement comme ayant six pétales. Alors, il faut savoir que les pétales, en fait, c'est un petit peu comme si votre chakra était une boule d'énergie, et les pétales ne sont rien d'autre que l'arrivée de ces petits canaux de lumière. Donc, c'est le nombre qui détermine le nombre de pétales, on parle de pétales. Donc il est associé à l'eau, il est associé à un croissant de lune et il est associé aussi au goût et aux mains. Juste au-dessus, on va trouver Manipura Chakra. Mani, la perle, Pura, la ville. On traduit souvent par la cité des joyaux. Celui-là, ce chakra, il est d'un gris, les pétales qui sont au nombre de 10 sont d'un gris de couleur de fumée. Et il est associé au feu et à la vue. Il a un rôle très très important dans la distribution de l'énergie à travers la structure énergétique. Autant les deux premiers, c'est vraiment ceux qui vont permettre la vie elle-même, le déploiement de la vie et de l'héritage, ils contiennent aussi tous les héritages de l'individu. Le chakra Manipura lui distribue. Et puis on arrive ensuite à un centre très très important. Alors, entre on a l'Adhara solaire, Suryadhara, mais on arrive au centre Anahata, An privatif en sanskrit, Hata, ce qui est frappé, donc ce qui n'est pas frappé, ce qui est directement entendu, sauf qu'on ait besoin de faire sonner le son. C'est le centre du cœur avec ses 12 pétales, son double triangle enlacé, et puis il est relié à l'air, il est relié au toucher. Alors pas seulement le toucher du bout des doigts, l'ensemble du toucher. C'est un chakra sur lequel on pourrait faire une vidéo complète. Juste au-dessus, Vichudita chakra, le chakra qui se trouve au niveau de la gorge, avec ses 16 pétales, qui relie à l'éther, qui relie à l'ouïe et à la parole. Vishuddhi, c'est la pureté. Et enfin le dernier, Ajna chakra. Ajna, c'est l'ordre, le commandement. Donc c'est le chakra, deux pétales seulement, qui commande à tous les autres. Donc leur rôle, c'est finalement de distribuer l'énergie à travers la structure énergétique en remettant sans cesse en vibration les contenus de ces centres. Alors comme ces écoles souvent, sans forcément croire à la réincarnation, partent du principe qu'il y a un héritage génétique à travers ces centres qui est sans cesse réactivé dans la respiration, il est bon de les purifier pour justement les rendre l'énergie de ces chakras, à travers ces chakras, la plus pure possible, afin que justement l'individu puisse accéder à son propre centre. C'est tout le rôle du yoga, dans un premier temps, que d'arriver donc à la purification de ces centres, purification du prana, pour rendre la structure énergétique la plus lumineuse, la plus vibrante possible. Voilà, je développerai tout ça dans une autre vidéo, mais j'espère que ça vous donne déjà quelques points de repère qui vous permettent d'en savoir un petit peu plus sur les chakras. Je mets en lien sur mon blog, donc la description des centres, si vous voulez pouvoir relire tout ça tranquillement. A bientôt pour la suite d'une autre vidéo que je ferai un peu plus tard sur les chakras.